C'est mon capteur de débit, donc celui qui va mesurer le débit du ventilateur. Ça, c'est le relais de pression extérieure, c'est celui qui prend ma pression référence à l'extérieur. Donc là, je branche tous mes capteurs de pression, donc l'extérieur, le débit, et la pression intérieure, elle est mesurée ici. Ça, c'est d'autres relais pour rajouter des ventilateurs supplémentaires. Donc elle est raccordée au PC, tout simplement. On doit relever le volume du bâtiment, la surface de plancher bas, donc en contact avec le sol, et la surface d'enveloppe froide, c'est-à-dire tous les murs en contact avec l'extérieur ou local non chauffé. Pour la recherche de fuite, on se met à une pression différentielle de 50 pascal. Donc là, je vais monter à 50 pascal de pression. De la caméra thermique, soit on l'utilise en recherche de défauts d'isolation et de pont thermique, soit comme ici, on est en dynamique, on va mettre en dépression le bâtiment et on va essayer de localiser les fuites d'air. Comme on a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, l'air froid qui va rentrer va faire une empreinte, une image thermique sur la face intérieure du mur et on va la détecter avec la caméra. Et si je me place là, par exemple, au niveau de la fuite des solives, vous avez des fuites là autour de la solive. Là, normalement, dedans, il doit avoir la fumée qui rentre, parce que tout à l'heure, on a détecté la fuite. Là, je fais des pressions, ce qu'on appelle les mesures de pression à débit nul. C'est-à-dire qu'on mesure l'écart de pression qu'on a entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, pour voir un peu si on a le droit de faire le test, si les conditions météo sont favorables à la réalisation. Donc là, on a quasiment pas de différence de pression, donc on est sur un régime qui est très stable, il n'y a pas de vent, on peut lancer le test. On a un taux de renouvellement du volume sous 50 pascal qui est de 1 volumeur pile. Avec une surface équivalente de fuite à 4 pascal qui est égale à 68 cm², donc ça fait un trou de 7 par 10 quoi, en gros. Un trou, la somme de toutes les fuites du bâtiment égale à un trou à peu près gros comme ça. L'exigence de la RT française 2005, il faut être inférieur à 0,8, là on est à 0,24, c'est bon. Et pour l'EFINERGIE, le BBC EFINERGIE, il faut être inférieur à 0,6, on est à 0,24, c'est bon. Et le futur BBC EFINERGIE Plus, il faudra être inférieur à 0,4. Et on est encore mieux.